Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com, sur la chaîne YouTube, sur la page Facebook, sur le groupe Barbecue et vous. Et aujourd'hui, je suis avec deux personnes exceptionnelles. Vous les connaissez, Chef Rohan, un tonnerre d'applaudissements. J'ai pas mis la musique de Sirtakis, c'est pas grave. Voilà. Bon, il vient tout droit de Mykonos, du coup, pour nous faire découvrir le barbecue. On va parler de ça. Non, Chef Rohan, vous le connaissez. Rohan, passe devant parce que Comme on est très grand avec Stéphane, comme ça, on a l'impression qu'on fait à peu près tous la même taille. Bonjour à tous. Ça va, Rohan? Ça va super. Il fait un peu frais, mais on va se réchauffer aujourd'hui. Les barbecues sont juste à côté, on a un bras zéro, tout ça. Stéphane également, Stéphane Barbecue, administrateur du groupe Barbecue et vous, également ici. Salut mon Steph, ça va? Très bien, un petit moins 3, mais les barbecues sont chauds après. Oui, mais toi tu viens de Lorraine, limite il fait chaud. Hein. De toute façon, comme on dit en Lorraine, quand il pleut pas, c'est qu'il fait beau. Donc normalement, on est plutôt pas trop mal là. Alors, les gars, dites-nous si déjà tout le monde qui est connecté, si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Normalement, oui, tout va très très bien. C'est le petit test technique, comme d'habitude. Et alors, des fois j'ai des idées, mais je ne sais pas si c'est bien d'avoir beaucoup d'idées. Le truc, c'est que je vous ai dit, oh, j'adore Aaron Franklin. Ma sœur m'avait offert un beau plateau comme ça, voilà. Et je vous ai dit. Je sais que vous savez faire toutes les recettes de brisket, ribs, pulled pork, pastrami, etc. Donc voilà, c'est vraiment super. Et j'ai un défi que j'aimerais que l'on puisse réaliser tous ensemble. Ici, il y a le livre d'Aaron Franklin, comme ça, voilà. Et l'idée, alors on va trouver une meilleure photo. On va pouvoir la mettre parce qu'on ne voit pas très très bien comme ça avec le beau soleil qu'il y a ici. Mais, alors attendez, peut-être d'un petit peu plus proche. Regardez, tac, si on se met là. Non, c'est pareil. Bon, bah, on va partager une photo. Parce que l'idée, voilà, c'est… Dans l'ombre, comme ça. Voilà. Hop. L'idée, c'est de refaire exactement la même couverture que ce super livre d'Aaron Franklin. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, déjà, d'Aaron Franklin, toi qui es allé là-bas, déjà sur place? Ouais. Raconte-nous. Mais alors, le gars, Aaron Franklin, c'est un mec qui a énormément d'humour. Il est vraiment extraordinaire, super gentil, c'est incroyable. J'ai pu m'entretenir un petit quart d'heure avec lui. On a parlé de plein de choses. Il est d'une simplicité. Il est très comique, en fait, parce qu'il est toujours en short avec ses chaussettes de toutes les couleurs. C'est clair. Ses t-shirts de geek. Il est vraiment génial. Mais c'est un technicien incroyable. Quand pendant la soirée, on a commencé. Donc, c'était une soirée privée, en fait, et on lui posait des questions. Et une fois qu'il a commencé à parler de brisket, le gars, il est devenu fou, on ne peut l'arrêter. C'était limite pénible, quoi. Voilà. Franchement incroyable. Non, c'est un mec super. Et puis, bah, évidemment, quand on mange chez lui, c'est une expérience, quoi. C'est une expérience. Les ribs, alors tout le monde le connaît pour le brisket, mais oui. Moi, les ribs de porc que j'ai mangé chez lui, c'est les meilleurs ribs que j'ai mangé de toute ma vie. Waouh! Dans tous les restaurants du Texas depuis 30 ans, c'est les meilleurs que j'ai mangés. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Aaron Franklin, il faut savoir que du coup, il a lancé son restaurant en 2011 ou 2012. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les gens font la queue à partir de 6h du matin le week-end, 8h en semaine. Et il ouvre que le midi jusqu'à temps que ce soit sold out, qu'il n'y ait plus rien du tout. Et les gens attendent, ils font la queue. Ça fait vraiment partie du truc. Alors, il y a des gens, il y a des petits malins qui ont dit, bah, moi, je peux faire la queue pour vous. Vous me payez $50. Et du coup, il les a enlevés. Il y a Barack Obama qui est venu. Et déjà, il y a Kanye West qui est venu. Et il a dit, ouais, moi, je m'en fous, je veux passer devant tout le monde, j'achète le menu de tout le monde et tout. Ils ont dit, non, toi, tu restes derrière, comme ça. Barack Obama, il a dit, écoute, toi, tu veux bien garder ma place parce que moi, je ne peux pas rester là. Il faut que je sois dans un espace sécurisé et tout. Donc, si tu me gardes ma place, voilà, tu auras une surprise. Et donc, le mec, il a fait la queue comme ça. Et quand il y a eu Barack Obama, il a dit, je lui paye son menu. Voilà, c'est le truc à l'américaine qui est vraiment super. J'adore ces petites anecdotes comme ça. C'est vraiment hyper, hyper fun. Et donc, il est connu vraiment pour la brisket. Donc, la brisket, c'est le bout de poitrine de bœuf, qui est ce qu'on appelle l'or noir du Texas, le morceau de viande le plus dur à cuire, c'est reconnu pour ça. Voilà. Et du coup, il fait plein de choses autour et on va essayer de refaire ça. Alors, pour ça, ben vous allez commencer. Ouais. Steph, les viandes sont au chaud, tout ça, parce que bon… C'est parti, parce qu'on va vous le dire, hein, il est 11h du matin, donc s'il fallait faire partir une brisket tôt ce matin et tout, c'était un peu compliqué. Donc moi, j'ai fait des cuissons avant et on va voir la cuisson de chacune des recettes. Et ici, sur le livre,
il y a, je vous ai posé la question d'ailleurs en story Instagram, il y a 11 recettes différentes. On va parler de ces 11 recettes. Qui commence ? Juan, tu te mets là et puis on va commencer à monter le plateau. Alors moi, j'ai préparé deux choses. J'ai préparé les Texas Hotlings. Ce sont des saucisses en fait de bœuf exclusivement qu'on prépare à partir de parures de brisket. En fait, il faut savoir que Aaron Franklin, il cuit 100 et 8 brisket tous les jours. 100 et combien ? Enfoiré. 108 brisket tous les jours. Et d'ailleurs, en fait, pourquoi 108 ? Simplement parce que c'est le seul moyen de mettre, en fait, de remplir un de ces quatre offsets géants de 4000 litres, ce sont des 1000 gallons. Et du coup, il est obligé, en fait, pour faire ces 108 brisket, je me mets de ce côté-là, de découper, de parer, en fait, hein, de faire le trimming des brisket, toutes à la même dimension. Voilà, pour pouvoir toutes les caser dans un des quatre offsets, parce que les autres sont pris pour les ribs, pour la dinde, pour les saucisses, etc. Voilà. Donc, voilà, j'ai fait les saucisses texanes, une recette typique, donc avec du chili powder, avec du fromage, avec, il y a plein de choses dans les saucisses. Et j'ai fait aussi le brisket. Alors, évidemment, chez nous, c'est difficile d'avoir le même brisket. Aaron Franklin prend de l'USDA Prime, qui sont les meilleurs briskets les plus gras. Ici, j'avais du Black Angus américain, mais c'est juste un flat tout petit de Black Angus, mais ce n'est pas du Prime, c'est du Select. Peu importe, j'ai fait le brisket et j'ai fait les saucisses. Voilà. Ok, bah, excellent. Très bien. On va commencer du coup sur la caméra d'à côté, ici, à faire exactement pareil. Alors, quand on va parler comme ça des différentes choses, donc on voit qu'il y a de la brisquette, du coleslaw et de la potato salad que Stéphane a fait, on va en parler. Il y a des petits pickles, de la sauce barbecue que j'ai fait, les hot links qui parlaient, du pain de mie, des ribs et des jalapenos. On commence par monter tout ça ? Okay. Allez, vas-y Juan. Alors du coup, ça, c'est le vrai plateau comme on trouve exactement ici. Tiens, Steph, on va commencer par mettre ça. Hop. Alors, hop, vas-y, passe, voilà. Alors déjà, on est sur un plateau et ici, le papier bouché. Le papier bouché, un mot dessus, Steph, peut-être ? Bah, le papier bouché, c'est ce qu'on va retrouver dans toutes les barbecue joints, en fait. C'est vraiment en fait, le support de tout. C'est le jetable et c'est ce qui fait vraiment partie du folklore. Voilà, donc, et toi qui est un peu un anti-alu, du coup, ça permet alors, également de bien retenir les jus et tout alors, ça. Raconte-nous. Oui, papier bouché, voilà, le gros avantage de ça, c'est qu'effectivement, on n'aura pas d'alu sur de la haute température. On peut bosser des produits qui sont acides, surtout, on va souvent pulvériser avec du vinaigre, des choses un peu acides. Ça boit le gras et ça laisse passer la fumée. Bon, après, le laisse passer la fumée, ce n'est pas très important dans le sens où, quand on a wrapé, quoi qu'il arrive, de toute façon, on est déjà sur une viande qui est très, très serrée au niveau des fibres. La fumée passe plus beaucoup. Voilà, exactement. Alors, désolé, on est un peu surexposé ici, mais c'est la chaleur de nos cœurs qui fait ça, voyons, la lumière. Ici, on voit bien, normalement, on nous entend bien, c'est le plus important. On dirait que vous avez froid, pas du tout, il faisait juste moins 5 ce matin. Le livre sera-t-il édité en français ? Non ? C'est sûr ? Moi, j'ai d'autres infos. Ouais, vas-y. C'est Rafa. Non, je rigole. Non, mais par contre, il y aurait peut-être des Québécois qui ont demandé, qui auraient eu l'autorisation, mais on en parlera plus tard. Je ne suis pas au courant. Donc voilà. Et j'avais une question. Est-ce que c'est un plateau pour un voilà, là. Voilà, un plateau pour une personne. Alors, il faut savoir que quand on est aux États-Unis, notamment dans les barbecue joints, en fait, on va choisir la viande au poids. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, mon petit Juan ? Oui, en fait, toutes les viandes dans les barbecue joints sont toujours servies à la livre ou à la demi-livre. Ah. Donc, c'est toujours 500 grammes, enfin un peu moins de 500 grammes, ouais. Ou 250 grammes. Ouais. Voilà, et donc, on choisit si je veux manger… après, tu peux prendre un combo. Donc, tu peux demander un plateau combo où il y a du brisket, de la saucisse, de la dinde, des ribs.
mais à chaque fois, c'est au poids. Voilà. Donc, en fait, est-ce que c'est un plateau pour une personne? Bah, ça dépend. Si tu veux manger tout ça, mais généralement, c'est des trucs à partager. Et puis, on dit, bah, tiens, voilà, on est trois, on va manger, je sais pas, 300 grammes de viande par personne. Il nous faut un kilo. Bah, on va mettre 250 grammes de pulled pork, 250 grammes de brisket, etc. C'est pas comme dans le resto, en fait, où ils en ont, là, aux États-Unis, ils n'en ont rien à faire de savoir combien de personnes sont à table. Ouais, c'est ça. On te sert au comptoir, tu payes au comptoir, tu prends ton plateau, tu vas manger, que vous soyez 1, 2, 10, à table, ils s'en foutent, ouais. C'est payé, puis c'est tout. Quoi. Donc voilà, donc c'était une excellente question. Alors, ici, on va parler un petit peu, alors vous voyez, juste ici, sur les côtés, il y a des petits pickles et des jalapenos. Alors, juste pour vous dire, en fait, les pickles, dans son livre, Aaron Franklin rappelle deux choses. Donc, au niveau du barbecue texan, ça a été développé suite à une forte immigration germano-tchèque. Et donc, ils mangent toujours beaucoup de cornichons. Et en fait, ça a le même effet que le gingembre dans un restaurant japonais. Ça va venir laver le palais, ça va couper le gras. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il y a la petite tranche de cornichon dans le Big Mac également. Et du coup, on va retrouver des petits cornichons et on va retrouver des oignons blancs également. On peut retrouver un peu de tout après en fonction. On peut trouver oignons rouges, tout ça. Je n'ai pas trop vu de petits choux, de choses comme ça. Mais voilà, c'est quelque chose qui accompagne bien. Je sais que toi, en plus, c'est vraiment le truc que tu aimes bien, Steph. Ouais, les pickles, vraiment, je suis fan parce qu'on peut les décliner de toutes les sortes. Comme disait Raph, voilà, on peut retrouver effectivement le pickle d'oignon rouge. C'est très sympa, très coloré. Ça apporte vraiment de la saveur. Et surtout, l'avantage en fait, du jus de pickles, surtout, il faut le garder. D'ailleurs, on l'intégrera, on le verra tout à l'heure dans les salades. Ça apporte vraiment beaucoup de goût. Ouais. Donc voilà. Et après. Ici, bon, on rajoute et on a mis ici pour avoir exactement comme dans la couverture. Hein, ici, il y a deux petits jalapenos, voilà, avec le soleil que l'on a mis juste là. Voilà, ils sont vraiment dans l'angle en bas, parfait. Donc, on a mis ça. Juan, on va. Oh, t'es déjà à la découpe ? Ah bah oui. Alors, interruption spéciale. Est-ce qu'on peut la mettre ici, tu penses ? Oui, attends. Viens, je la prends, je la mets. Allez, on va découper ça. Oh, on fait la place, allez-y. Très bien. Notre belle brisquette. Alors, il y a la brisquette, mais on la découpe tout de suite, vous voulez ? Hein ? Ah, c'est comme tu veux. Moi, je pense qu'on va faire le froid, en fait, avant. Mais regardez comment elle est belle. Voilà, au moins, vous avez vu, elle est là, dans le papier bouché. Donc, elle gigole, c'est très bien. Vous avez vu que le papier bouché, bah, ça permet de garder les jus. Hein, donc, on en parlait, c'est exactement le même qui est là, mais avec des jus. Ça laisse passer un petit peu plus la fumée, ça permet de garder l'humidité et d'avoir une belle croûte en fait. Tout à fait, un beau barque. Un beau barque. Ok, donc en fait, on va repartir sur ça. Et moi, je pense qu'on va commencer tout simplement par le froid. Alors vas-y, Rohan, ici, tu te mets là. Ouais. On va faire le pain. Tiens, regarde, prends le pain, il est juste en dessous. Et on va parler un petit peu du pain. Ah ouais. Alors, le pain… Qui est ici, voilà. Alors, déjà, juste, on m'a demandé, Rafa, est-ce que… viens ici, voilà, pour qu'on nous voit bien. Rafa, est-ce que vous allez pimper un peu ça pour faire avec une bonne baguette française ? La réponse ? Non. Bien sûr que non. Non. En fait, le pain aux États-Unis… Il est où, le petit micro, là ? Il est là. Ah, d'accord. Il faut savoir que le pain aux États-Unis, c'est vraiment le plus mauvais pain du monde. Voilà, il est juste dégueulasse. Si on veut acheter un bon pain à la française dans une boulangerie, en fait, il n'y a pas de boulangerie, mais dans une poissonnerie ou une boucherie, parce que c'est là qu'on vend le vrai pain, on est entre 10 et 20 dollars pour un pain de 800 grammes. Voilà. Okay. Et donc, les Américains mangent énormément de pain très mou, très chimique, qu'ils achètent chez Walmart, dans les grandes surfaces, etc., qui coûte évidemment beaucoup moins cher. Et le pain de mie, c'est le pain par excellence qui est servi dans tous les barbecue joints. Et dans la plupart des barbecue joints, en fait, parce que Aaron, là, sur sa couverture, il a mis 2-3 tranches, mais il faut savoir que quand vous commandez un plateau, vous recevez un pain entier, en plastique. Oui. Voilà, il vous donne le pain. Toujours très classe. Hein. Toujours. et c'est dans le sachet d'origine, quoi. Ils s'embêtent pas, en fait, les Américains, c'est toujours très, très simple. Au niveau du service, il y a une grosse différence par rapport à chez nous. Ok. Est-ce que tu veux nous dire d'autres choses sur ce pain ? Parce qu'en fait, dans ce livre, il dit que le pain va avoir ce côté sucré, donc qui va contrebalancer avec le côté épicé, parce qu'on est sur on va parler des rubs un petit peu tout à l'heure. Donc, ça va contrebalancer avec ça. Ça permet également
de bien absorber la sauce. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de sauce sur les ribs, etc. Mais c'est en à côté et ça permet de faire un petit sandwich en fait, hein, parce qu'ils mangent souvent comme ça. Donc voilà pourquoi il y a du pain de mie servi dans les barbecue joints. Tout à fait, oui. C'est aussi pour mouiller les jus de cuisson qui sont dans le papier bouché, etc. Faire vraiment une mouillette, quoi. Hein, ouais, c'est ça. Voilà. Et bon, c'est délicieux, évidemment. Ben parfait. Allez, je te laisse le placer exactement okay. Comme. Olé. Alors, je te rends le. Vas-y. Le micro. Alors. Alors, tiens, regarde, c'est exactement comme ça. Je te laisse faire. Moi, j'enlève les bottes. Donc, on bloqué l'utilisateur. Parfait. Ici. Il est là. Très bien. Voilà. Je crois qu'il y a deux tranches. Hein. Ouais, il y en a trois en fait. Je crois, tu vois, tu en as une en dessous, une là. Voilà, très bien. Voilà. Je fais du pain au levain, 850 coups de revient 1 €, donc je peux faire une belle marge. Oui, chacun fait comme il veut. Super live, bonne idée. Merci, merci tout le monde de nous suivre. Voilà. Donc là, on est. Là-dessus, on a fait les trois pains comme ça, on a mis ici et on va mettre les petites sauces. Oui. Donc, il existe deux sauces. Alors, ici, fais voir un petit peu. Alors, on a la sauce expresso. Ouais, on a une sauce expresso. Bah, c'est la plus foncée des deux. Tiens, regarde, mets devant pour que les gens puissent bien voir. Et une sauce barbecue. Alors, il faut savoir que sur la sauce expresso, en fait, Aaron Franklin dit dans son livre que bah, il se lève très tôt pour faire du barbecue et du coup, il a l'habitude de faire de se prendre un petit café comme ça. Et il s'est rendu compte que bah, finalement, avec un petit peu de café dans une sauce barbecue, il avait réussi à faire quelque chose de vraiment exceptionnel. Donc, juste pour vous donner des mesures en grammes, parce que c'est en volume normalement. Donc là, dans la sauce barbecue, ouais, celle-ci, voilà, celle-ci que j'ai fait, il y a du ketchup, 411 grammes, de l'eau, 148 grammes, 72 grammes de vinaigre de cidre et 72 grammes de vinaigre blanc. Alors, un mot sur ça, Stéphane. Bah oui, justement, sur les... Alors, on parle tout le temps en mesure américaine, donc ouais. C'est de la cup, de la tablespoon, donc cuillère à soupe et de la teaspoon. Alors, il faut savoir que sur les cups, il faut faire attention parce qu'en fait, une cup de produit liquide, c'est différent d'une cup de produit solide, ouais. Donc sel, riz, parce que bah, on parle bien d'un volume. Voilà. Donc, du coup, si on fait des conversions, c'est compliqué, c'est un peu long. Acheter effectivement des cups, ça s'achète partout sur Amazon ou autre et ça permet de gagner un temps fou et surtout de respecter les bons dosages, ouais. Les bons volumes. Exactement. Donc là, il y a ça. Et alors, sur le vinaigre blanc, ce qu'il faut faire attention, c'est que c'est pas le même degré d'alcool et qu'il est quasiment deux fois moins fort. Donc, il faut diviser un peu par deux le grammage. Il y a aussi de la cassonade, 61 grammes, de la sauce anglaise, 36 grammes, de la poudre de chili, on va en parler juste après, du cumin, du sel et du poivre. Donc 6 grammes de cumin, 6 grammes de sel, 3,5 grammes, et ce qu'on voit, voilà, comme ça. Donc voilà, moi je l'ai faite comme ça, donc on est parti. Oh non, celle-ci c'est l'expresso, oh, excusez-moi, tac. On va repartir sur celle-ci. Voilà, donc on part vraiment sur une base de ketchup, comme ça. Donc, c'est ce que j'ai fait à la maison. Hein. Donc, j'ai rajouté le vinaigre blanc. J'ai rajouté ensuite le vinaigre de cidre. On a rajouté un petit peu d'eau aussi avant. Donc, voilà, ça, c'est mon vinaigre blanc. On a rajouté la cassonade. Après, ça... On va avoir la sauce anglaise, la sauce Worcestershire, toujours, mais qui donne vraiment ce goût vraiment hyper, hyper sympa. La poudre de chili, comme ça, donc il faut vraiment prendre celle-ci, sinon ça n'a pas le même goût que la poudre de chili, par exemple, de chez Ducro, hein, qui va être très, très piquante et tout ça. Là, c'est vraiment du chipotle, sel, poivre. Et après, un petit peu de cumin, voilà. Et donc, on fait chauffer ça, mais pas à bouillir, hein, juste chauffer, hein, il le dit dans son livre. Et ensuite, ben voilà, j'ai mis dans les petits biberons, comme on dit, que l'on a retrouvé ici. L'idée, c'est de bien la réduire, en fait. Bien la réduire. Donc, voilà, on l'a mise ici. Et la deuxième chose, c'est la sauce expresso. Donc là, ça va avoir un côté très, très terreux, très boisé, qui va très bien avec le bœuf. Et comme c'est le roi de la brisquette, bah, c'est super. Et donc, ici, hop,
on va mettre la petite vidéo. Donc, il y avait 352 grammes de ketchup, 115 grammes de vinaigre blanc, 115 grammes de vinaigre de cidre. Donc, le vinaigre blanc, vous pouvez diviser par deux. Il y avait de la sauce soja sucrée. Voilà, c'est celle que l'on voit actuellement. Il va y avoir un petit peu de poudre d'ail et de poudre d'oignon. Donc, voilà, 8 grammes quoi, à chaque fois. Donc, c'est des tablespoons et tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est toujours un petit peu différent. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va rajouter? Oui, alors là, on n'a pas le choix. Il faut donc voilà un petit peu de cassonade. Et il dit, on n'a vraiment pas le choix. Il faut faire de l'expresso. Donc pour ça, donc on fait déjà chauffer tout ça. Et une fois que c'est chaud, on rajoute l'expresso. Voilà. Donc là, c'est 43 grammes comme ça. Et on rajoute également du gras de brisket. Donc là, j'avais pas, mais on va pouvoir le rajouter. Et puis j'ai mis en biberon. Voilà, tout simplement, ça c'est la partie que j'ai faite hier. On goûte un petit peu la sauce quand même sur un morceau de pain, pourquoi pas. Allez, let's go. Alors pour respecter ça, alors je vous laisse. Moi je trouve que l'expresso, je pense que je l'ai un peu loupé parce que je la trouve très très liquide. Hein. Mais vous allez me dire ce que vous en pensez. Hop, ça c'est l'expresso. Ça, c'est l'expresso. Et moi, je trouve qu'elle n'est pas loupée du tout. Parce Elle n'est pas trop liquide ou quoi, mais non ? Les sauces texanes. Ah, rapproche-toi un petit peu. Ouais. Les sauces texanes sont toujours ultra liquides, ouais. En fait. Voilà. Ouais. Donc, elle n'est pas ratée du tout. Non, d'accord. Non, mais parce que celle-ci, elle est plus épaisse quand même. Peut-être un peu plus de sucre, peut-être elle est un peu plus réduite. Ouais. Voilà. En fonction de comment vous voulez la voir, en fait, en texture, de toute façon, si elle est trop liquide, ce n'est pas grave. On va la laisser en fait, chauffer un peu plus et en fait, on va la réduire pour qu'elle nappe une cuillère. Suivant l'utilisation qu'on va en faire. Mais effectivement, comme le dit Rohan, souvent les sauces sont très, très liquides. Par contre, moi, ce que j'aime beaucoup dans celle-ci, tu retrouves le goût fumé du chipotle quand même, tu l'as goûté. Elle est assez vinaigrée, donc aussi, ça, c'est un peu comme les pickles, ça va casser le gras que l'on retrouve dans les différents morceaux de viande. Qu'est-ce que tu en trouves ? Ouais, le poivre aussi. Le poivre, ouais. Super. Moi, j'adore. Alors, mettez-moi à côté, comme ça, vous avez le micro juste à côté. C'est goût un peu fumé, voilà, c'est goût un peu fumé avec le côté acide. Et pour le coup, je trouve que c'est vraiment très, très sympa. Et comme le disait Raph, comme le pickles, en fait, ça va rincer du coup toutes ces viandes qui sont effectivement un peu chargées en gras. Quoi. Voilà. Donc, une question, multiplier le vinaigre par deux s'il est deux fois moins fort. Ouais, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a dilué donc en mettant deux fois plus d'eau par rapport à la quantité. Voilà. Il faut savoir que le vinaigre, ouais. Que ce soit le vinaigre blanc ou bien le vinaigre de cidre, enfin, n'importe quel vinaigre aux États-Unis, est vraiment beaucoup moins alcoolisé, donc beaucoup moins vinaigre que le vinaigre qu'on a chez nous. Et bien souvent, le vinaigre, ce sont des grandes marques comme Heinz. Hein, ouais, voilà. Ouais. Et du coup, c'est très, très doux. Et si on veut vraiment respecter le goût, il faut diviser par deux. Et pour vous donner voilà, une bonne idée de ce qu'on peut retrouver, le vinaigre, effectivement, aux États-Unis, ce n'est pas notre vinaigre à nous, c'est plutôt le jus des pickles, le jus de cornichon, c'est la bonne acidité en fait, qu'on peut retrouver. Oh, c'est ça, c'est un peu plus sucré. Et vous avez vu qu'on est vachement moins brûlé là sur le truc, dès que le soleil s'est caché. Mais oui, il y a un microclimat ici dans l'aube, vous croyez quoi? On peut conserver, et combien de temps ces sauces? Alors c'est marqué dans le livre, c'est deux semaines, voilà, deux semaines comme ça. Oui. Vinaigrée, tu peux la faire. Ah, en fait, voilà, c'est ça. Une année. Quoi. Oui, mais derrière, il y a des tonnes d'avocats, mon petit. Mon petit Rohan, il y a des tonnes d'avocats derrière pour ne pas avoir de problème. Usage pro, donc usage pro, ça va être deux semaines parce qu'il faut forcément mettre en fait, une date. Après, sur un usage perso, dans votre frigo, l'idée, c'est je l'ouvre, je sens, pas d'odeur, je goûte, une acidité normale, elle est bonne. On peut dire, effectivement, ça va se garder très, très longtemps. On parle à nos abonnés ici. Micro, normalement, on nous entend bien. Quelle est la marche à suivre pour les pickles? Les pickles, ils les achètent déjà tout faits, gaufrés, etc. Sinon, il y a des vidéos, vous trouvez là-dessus des choses. Ok, bon, bah super. L'expresso, un mot? Moi, j'adore. Ouais. Alors, les vinaigrés et expresso, hein, donc c'est... on n'est pas habitué hein, quand même. Hein. C'est pas des trucs qu'on a l'habitude. En fait, hein. Justement, de ce côté en fait, café, justement, ouais. Basé. C'est soit en fait sur de la sauce, sur des rubs, je trouve sur du bœuf, ça apporte vraiment quelque chose. Ah, ça envoie quoi. Après, et puis, c'est costaud quoi. Ouais, c'est un peu comme la vidéo de la Tomahawk que j'ai fait vendredi pour ceux qui aiment vraiment le goût, the beefiness. Comment on pourrait traduire ça? Le goût de bœuf. Le goût de bœuf. Mais vraiment, il y a vraiment cette notion dans le mot anglais, je trouve, qui est hyper forte de dire la beefiness, quoi. C'est-à-dire vraiment l'aspect terreux fort. Tu mets un rub café, cacao avec une sauce comme ça. Voilà, tu sens que ça envoie du bois. On dirait un vieux Bordeaux, quoi. On pourrait dire que c'est un vieux Bordeaux. Je trouve que pour vraiment sentir ce beefiness, tu ouvres une brisquette, tu ouvres effectivement des ribs de bœuf. Quand tu le déballes, tu sens vraiment ce goût.
Enfin, c'est vraiment un concentré de bœuf. Ah ouais, ça envoie du fort. Ok, bon, bah super. Alors, du coup, on a mis ici les deux petites sauces. On refait le truc. Alors, quand on regarde ici, il va avoir une sauce expresso qui est la plus foncée et la sauce barbecue. Donc, un au milieu sous les pickles, très bien. Et l'autre en haut ici. Super. On va continuer à parler du froid. Donc, un mot sur les accompagnements ici. Stéphane, comment tu as fait le coleslaw ici et comment tu as fait la potato salade? Et Rohan ou Stéphane, bah, mettez exactement comme dans le livre. Alors, on va déjà commencer par le bas de plateau. Du coup, effectivement, donc la potato salade, c'est quoi en fait? C'est de la pomme de terre qui va être… Merci. Ouais. Ah, en fait, ouais, c'est là. C'est pas facile, voilà. De travailler à l'envers. L'effet miroir. Exactement. Donc, la potato salade, en fait, l'idée, c'est qu'on va avoir donc une pomme de terre qui va être cuite. On va en fait l'évider à la cuillère. L'idée, c'est qu'on la coupe en deux, ça va vite. On retire à la cuillère. On va pouvoir en fait le poser dans notre plateau. Sauce à côté, donc ça va être justement du jus de pickles. Alors, Aaron, lui, ce qu'il utilise, c'est du pickles en fait de Deals. J'ai plus le mot. Annette. Merci, Annette. À force de switcher anglais, des fois, c'est pas toujours facile. Donc, du pickles d'Annette. Alors, si vous n'en trouvez pas, bah, soit vous pouvez le faire vous-même, c'est facile. Comme le disait Raph, il y a plein de vidéos qui sont faites. L'idée d'un pickle, c'est toujours la même chose en fait. Et vous retrouvez ça dans les vidéos. Sinon, on peut utiliser effectivement du cornichon. On n'aura pas vraiment le goût d'Annette. On peut en rajouter un peu à côté. L'idée, c'est d'avoir un peu de verdure. Voilà, c'est d'avoir un peu de verdure dedans. On va mélanger donc nos pommes de terre pour avoir une texture un peu purée, un peu granuleuse. Et on va rajouter la sauce, donc c'est mayonnaise, moutarde, le jus effectivement des pickles, donc ouais. Pour ce vinaigre qui va être donc assez doux, en fait un peu douceâtre. Donc nos pickles qui seront hachés très très fins, et donc on va mélanger tout ça. Oui, grosso modo c'est 1,35 kg de pommes de terre, une cup de mayonnaise, une demi-cup de moutarde américaine, c'est donc ça. Là on retrouve le côté un petit peu plus relevé. 3/4 de cup de jus de pickles, il va y avoir un petit peu de poivre, un petit peu de sel, on mélange tout ça et voilà, ça tient jusqu'à 4 jours au réfrigérateur. C'est ça. Et grosso modo, ouais. C'est une belle sauce un peu épaisse, type un peu mayonnaise ratée. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler, Rohan, ouais. On va se mettre là à côté, des accompagnements typiques que l'on retrouve dans les barbecue joints, parce qu'en fait, on va toujours retrouver, alors pourquoi on va dire, bah, tiens, on va faire un coleslaw, on va faire une potato salad, en fait, on retrouve toujours un peu les mêmes viandes et les mêmes accompagnements. Oui, tout à fait, toujours. Toujours, c'est ça, c'est pas un petit peu, c'est toujours. Ouais, c'est vraiment la Sainte Trinité. On va retrouver toujours la mashed potatoes, donc ouais. la salade de pommes de terre. La potato salade, oui, c'est ça. Qu'une vraie salade. Ouais, en fait, c'est ça, exactement, c'est ouais, une purée froide, c'est ouais. Vraiment bien dit. On va retrouver la coleslaw à tous les coups. On va retrouver, après, en fonction des états, on va retrouver, par exemple, au Tennessee, on va trouver du maïs assez sucré, vraiment caramélisé. Si tu vas en Arizona, mais là, tu vas retrouver l'élote. Ouais. Tu vois, qui sera du maïs un peu plus mexicain, avec du fromage, etc. dedans. Voilà, mais au Texas, c'est aussi du corn, le corn, soit on the cob, donc le corn grillé, le morceau grillé, soit en salade, quoi, hein, avec du beurre et des épices. On va retrouver 9 fois sur 10 les choux de Bruxelles. Oui, voilà. Comme on avait mangé à Melt. Comme on avait mangé chez Melt, effectivement. On avait adoré. Ouais, ah. Tout à fait, c'était exceptionnel. On va retrouver, le pain, bien sûr. Et puis, on va retrouver toute une série de choses, mais qui dépendent de nouveau des états. Par exemple, au Texas, on va retrouver les Hush Puppies. Oui. Tu vois, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Ouais. Voilà, c'est vraiment typique du Texas et du Mississippi. Donc, Hush Puppies, explique pour les gens. Les Hush Puppies, c'est un peu comme une croquette, mais… C'est croquette soufflée en fait, à base de blanc d'œuf, mais qui est très sympa. Hein. Je sais bien que tu en as fait. Donc, Moi, j'adore les Hush Puppies. Et en fait, l'histoire dit qu'il y avait un pêcheur et il y avait toujours des chiens qui venaient, qui aboyaient, tout ça. Il en avait marre parce que du coup, ça faisait fuir les poissons. Donc, il l'a pris, il l'a jeté et ça a fait taire les chiens, donc Hush, donc taisez-vous, puppies, les petits chiens, donc le Hush puppies, c'est ce qui fait taire les animaux, mais aussi les adultes, je pense, parce que ça met tout le monde d'accord. Voilà, puis on va retrouver plein de choses en fonction de chaque pitmaster a ses propres spécialités, donc on retrouvera plein de choses différentes en fonction des joints. Un mot que l'on n'a pas dit, la moutarde américaine est-elle disponible chez Fargo ou via Internet? Ah oui, parce qu'on est chez Fargo ici, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, chez Fatih qui nous reçoit ici.
à Romilly, j'ai dit qu'on était dans l'Aube, il n'y a qu'une entreprise, c'est le truc. Ici, tout le monde connaît Fatih de chez Fargo. On va vous parler des rubs tout à l'heure. Il y a de la moutarde américaine ou pas? Il y a de la moutarde américaine. Donc voilà, on en reparle juste après quand on va parler des rubs. Donc voilà, donc il y a ça. Et l'autre chose, mon petit Steph, du coup, le coleslaw, est-ce que tu peux nous présenter? On te remet ici. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je lis en même temps, moi. Alors sur le coleslaw, la petite spécificité effectivement d'Aaron, ça je vous invite vraiment à le faire, c'est super sympa. C'est en fait, une fois que vous avez découpé tous vos choux, donc il est très simple, celui d'Aaron, puisque ça va être en fait chou rouge, chou blanc, rien d'autre. Après, on peut rajouter plein d'autres choses. Effectivement, carottes, comme on peut retrouver dans d'autres états, j'imagine. Mais chez Aaron, c'est vraiment chou rouge, chou blanc, point. En fait, on va le saler au préalable. Donc, l'idée, c'est une bonne grosse cuillère à soupe en fait, de sel. On mélange bien. Ça va permettre en fait, au chou de dégorger, de perdre de son eau. Ouais, 1%, il dit. Voilà, c'est ça. En général, effectivement, c'est 1% de votre poids de chou. Ça permet donc un pré-salage, ce qui veut dire qu'on va moins saler après. Donc, il faut faire attention sur la sauce à ne pas trop saler parce que sinon, ça le sera vraiment beaucoup trop. Ensuite, on va retrouver donc une sauce pareille, assez basique en fait, donc toujours avec le jus de pickles. On va retrouver donc du vinaigre de riz et on va retrouver du vinaigre de cidre, toujours. Mayonnaise, poudre de moutarde, je crois. Oui, exactement. Et moutarde. Donc, on va mélanger tout ça. L'idée, c'est de préparer ça au moins une bonne heure, si ce n'est un peu plus avant pour le salage, et au moins une bonne heure en fait en sauce, de façon à ce que tout se mélange bien. Pour avoir quelque chose de bien crémeux, bien enveloppant. Pareil, la texture de sauce, c'est toujours un peu mayonnaise ratée. Ouais. Il décrit bien ça dans son livre. Le coleslaw est un accompagnement très important des barbecue joints, mais aussi un condiment. Voilà, donc ça offre une texture croustillante qui va contraster avec le fait que la viande soit tendre et le petit kick de vinaigre qui va contrebalancer le côté sucré, gras et les arômes de fumée que l'on sert chez Franklin. Et c'est un accompagnement très typique aussi que l'on retrouve dans le Tipsy Texan ou dans les sandwichs de pulled pork. Voilà. Et grosso modo, il dit ça mais en anglais. Juste préciser un truc, c'est que si vous prenez la recette exacte d'Aaron Franklin, il faut jamais oublier que le sel, c'est du kosher salt. Oui, exactement. Donc, c'est deux fois moins de sel de mer de chez nous par rapport au kosher salt. Ça sale deux fois moins. Voilà. Voilà. En fait, ce sont des gros cristaux de sel, effectivement, qui salent beaucoup moins. Ouais, qui se rapprochent plutôt en volumétrie de la fleur de sel, mais pas avec le même pouvoir salinisant. Bon, bah, parfait. Alors, du coup, on a fait les accompagnements. On a mis ici le coleslaw. Voilà. Eh bien, on pourrait. Donc voilà, on a trouvé les mêmes barquettes, on a fait les mêmes choses. Super. On passe à la viande, du coup. Ok. Les saucisses sont découpées. Allez, on a faim, donc on va tester ça. C'est vrai qu'il commence à faire faim. Steph, tu peux aller prendre d'un des. Ok. Ok. Donc voilà, montre bien ici, Rohan. Donc là, c'est les saucisses. Okay. Un mot sur les saucisses donc, également. Les attends. Saucisses, contrôle qualité. Dans celle-ci, j'ai le droit ou pas? Mais bien sûr, parfait. Alors, le bouquin, il est où par contre la couverture? Ok. Alors, les saucisses, ce sont des hotlings. Alors, ça, c'est. La hotlings, c'est vraiment sacré aux États-Unis. Tous les barbecue joints en font. Chaque pitmaster a sa propre recette de hotlings. Et donc, il y en a avec du fromage, il y en a avec de la bière, il y en a. Enfin, au niveau des épices, ça peut être assez doux comme celle-ci, ou alors très piquant comme en Louisiane, ça va être vraiment super piquant. Ouais. Mais la hotling, c'est super sacré, et c'est de la saucisse 100% bœuf. Il n'y a pas ouais. de porc dedans. Alors déjà, ça se voit au niveau de la… Alors, comment tu l'as haché? Parce que franchement, il est haché super fin et vous voyez… Il a simplement robot… Deux fois Kenwood, quoi. Non, une seule fois. Une seule fois. Waouh, wow. Griffin alors, non? Mais c'est au mélange avec les épices que je pense que la texture se resserre. Et parle-nous un petit peu de l'embossage, parce que je trouve qu'on sent vraiment bien le côté fumé là-dessus. C'est du boyau. Alors là, ce n'est pas du boyau de bœuf, c'est du boyau de porc 28-34 pour avoir le même calibre que la saucisse texane. En fait, ce sont des saucisses assez grosses, un peu comme une Toulouse chez nous. Oui. C'est vraiment le même format. Et voilà. Et puis, c'est juste fumé pendant 40 minutes, 45 minutes. 40-45 minutes. En tout cas, je trouve que l'on ressent bien le goût, ouais, évidemment, piquant. Important toujours dans le palais, dans la palette de saveurs texanes. On ressent un petit goût vinaigré quand même. Ça permet de limiter.
Et le côté fumé, franchement, voilà, on est toujours du coup dans ce délire-là. Il n'y a pas de note sucrée, par contre, là-dessus, qui apportera peut-être un petit peu plus. Il y a un petit peu de sucre. Ah, il y a un petit peu de sucre. D'accord, mais j'ai pas trop ressenti, mais. De la poudre de lait aussi. Ah, ok. Voilà, ouais. Ça, c'est pour lui donner la consistance, alors. Ouais, ah. C'est vrai que dans toutes les saucisses américaines, que ce soit la bratwurst, que ce soit même si c'est allemand, mais quand elles sont faites par des Américains, il y a toujours de la poudre de lait dedans. Ouais. D'accord. Bon, ben, bah, parfait. Et alors là, voilà, on va en mettre des tranches comme ça. On va porter, du coup, voilà. Quel conseil pour la cuisson des saucisses? Donc, on a dit, on les met dans un barbecue. Vas-y. Simplement, vous mettez votre déflecteur pour fumer sur la grille. Il n'y a rien de particulier. Non, non, il faut bois que vous voulez, et puis 40 minutes, quoi, tout simplement. Il ne faut pas pulvériser, il n'y a rien à faire, en fait. Ils sont en direct. Ah oui, on est en direct. Oui, oui, en fumage comme ça. Bon, ben, super. Alors là, on a ça. Bon. C'est comme ça. Elles sont... ouais. On est bien, là? Plus ou moins, je pense. Hein, voilà. Oui, on refera bien, après. On va voir. Et puis ici, j'ai oublié. Alors, du coup, on est bon? Oui, on est bon. Allez, parfait. On va passer à la dinde. Je te laisse le couper. On va échanger le setup. Regarde, je vais sortir ça. Hop, et vas-y, passe là avec la dinde. Alors, la dinde, c'est moi qui l'ai fait. C'est un filet de dinde. Donc, regarde, rapproche-toi bien comme ça pour que les gens puissent bien voir ici. Ouais. Je regarde comment elle a été tranchée. Ouais, bah c'est 4 tranches vraiment dans la partie la plus épaisse. Mais rapproche peut-être encore un poil, tu vois, les gens sont vraiment là. Voilà, super. Alors, c'est un filet de dinde qui a été cuit basse température, donc environ 130 degrés pendant 2h30, 3h. Avec un rub, on va parler des rubs hein, juste après, mais pour la brisquette. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est très simple, mais très important à savoir. Au bout des 2h30, 3h, je devais être à 51-52 degrés. On prend la moitié d'une plaquette de beurre, c'est vrai. On va entourer ça dans du papier bouché ou d'une feuille de papier aluminium et on va mettre la demi-plaquette de beurre sur le filet de dinde. Et c'est ce qui va permettre vraiment de donner un bon goût bien gras. On va parler de ce goût gras également que l'on retrouve dans la brisquette parce que c'est peut-être un des secrets de Aaron Franklin pour qu'il ait la meilleure brisquette au monde apparemment. Et c'est un petit goût... un petit goût graisseux, donc est-ce qu'il y a de la graisse de bœuf, tout ça, on verra tout à l'heure. Et dans son livre, Aaron Franklin dit qu'il est toujours un petit peu déçu parce qu'il est hyper fier de sa dinde, c'est quelque chose que lui, il adore, mais c'est pas, les gens ne se ruent pas sur ça alors que lui, il est super content de cette recette. Et ensuite, on laisse cuire comme ça. Ça m'a pris environ allez, un peu moins de 4 heures parce qu'on l'a laissé cuire jusqu'à une température interne de 71 degrés. Lui, il la sert comme ça. Ensuite, hop, tiens, regarde, je mets ça dans le bon sens, Juan. Ouais. Mais ici, si tu veux qu'on voit bien. Ouais. Et c'est très simple parce que, voilà, il la serre, on peut la mettre dans ce que l'on veut. Moi, j'adore ça. Et pour la faire ici, donc comme je vous ai dit, je l'ai fait hier, je l'ai mis en sac sous vide avec le jus, avec le beurre, quoi, tout simplement. On l'a scellé. Et là, on l'a mis. Fais voir les pochettes, Steph. Et là, les pochettes, voilà, en sous-vide, on plonge ça pendant un quart d'heure, 20 minutes. Combien de temps t'as mis, Steph, là? Ouais, un petit quart d'heure, 20 minutes, c'est ça. Un quart d'heure, 20 minutes. Eau frémissante. Eau frémissante, parfait. Et en fait, ça ressort vraiment super bien. Est-ce que, Rohan, tu peux nous faire voir, tant que tu as les gants à l'intérieur, comment c'est juteux, etc. Donne-nous envie. Voilà. Approche-toi bien, même. Voilà, super. Mais on voit vraiment que la viande est super juteuse. Et pour tous ceux qui ne sont pas fans de la dinde, vraiment, il faut tenter absolument le pastrami. Ouais. Ça va vous réconcilier avec. C'est une viande qui est vraiment super abordable en termes de budget. Et pour le coup, ben, bien cuisinée version pastrami, on va avoir un truc très, très juteux, très, très sympa. Et refroidir rapidement derrière, faire des sandwichs, des salades après. Enfin, on peut décliner ça de plein de façons. Bon, bah super. OK. Voilà, on m'entend bien, mais oui, il faudra bien parler, oui, parce qu'on a 2 micros pour 3, donc c'est pour ça qu'il faut parler un peu plus fort. Ouais, ça a l'air d'être pas mal là, Rohan. Après, tu as la grosse tranche comme ça, après, il a remis des petites tranches de saucisse dessus. Pas mal, pas mal. On est vraiment pas mal là-dessus. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Les ribs. Après, on s'occupe des ribs, donc on va mettre ça de côté. Est-ce que tu as un truc pour mettre ça, du coup, Stéphane, s'il te plaît? Comme ça, on va sortir les ribs, pareil. Donc, en fait, pour les ribs et pour la dinde, les rubs sont
exactement identique, mais un peu pour tout, hein, tout simplement. Quand vous lisez ce livre-là de Aaron Franklin, voilà, ou ici, là, vous le voyez bien. En fait, si vous vous attendez à avoir plein de recettes, vous allez être hyper déçu. Hein. Ouais, c'est un livre technique, hein, donc vraiment. Il va parler de la gestion du feu, il va parler des offsets et tout ça. Beaucoup, ouais. Il va très loin dans la technique de l'offset d'ailleurs. Ouais. Oui, c'est avant tout ça. Après, de toute façon, il faut bien se dire une chose, c'est que Aaron Franklin, comme tous les pitmasters américains, ils connaissent 5-10 recettes. Mais pas plus. Ouais. Voilà. Mais par contre, ils connaissent parfaitement. Mais ceux qui savent faire, ils le font très bien. Voilà, c'est la différence. Voilà. Et donc, le rub, en fait, il est très simple, hein, parce qu'il dit toujours, je vais prendre la moitié de sel cachère, la moitié de poivre, donc du 16 mesh, hein, c'est du poivre concassé, hein, un petit peu plus, hein, c'est la taille. Et ensuite, il rajoute un petit peu de paprika pour la couleur, tout simplement. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur le feu. Est-ce que tu veux nous parler de ça, du coup, Rohan? Voilà, donc ça, ce sont les rubs que j'ai achetés chez Aaron Franklin cette année. Et donc, on a son fameux sel et poivre, qui n'est que, comme Rafa vient de le dire, du sel et du poivre. Et puis, on a son deuxième rub, en fait, qui vient en sous-couche et qui, lui, contient effectivement du paprika, du sel de céleri, enfin, pas mal de choses qui sont différentes, mais qui n'ont rien à voir avec les rubs traditionnels que nous connaissons. Ouais. Voilà, tu l'as goûté. Oui. Tu as vu que ça n'a rien à voir avec un rub traditionnel. Non. Il faut déjà cette notion de sous-couche, de dust est très importante. Et donc, on a une sous-couche et puis seulement on vient mettre le sel et poivre. Alors, dans ses cours, Aaron Franklin dit que ça n'est que sel et poivre. Mais s'il dit ça, c'était soi-disant pour que les gens puissent se concentrer sur la gestion du feu, c'est qui ça. Est la chose la plus importante dans un offset. En fait. Voilà. Donc, est-ce que le secret de la meilleure brisket au monde, est-ce que c'est le rub? On ne saura jamais. On ne saura jamais. Est-ce que c'est le binder? Donc, est-ce qu'on a mis quelque chose dessus? Alors, sur certaines vidéos, les gens disent qu'il y a un côté un petit peu vinaigré. Donc, on en parlait du jus de cornichon tout à l'heure. Un mélange jus de cornichon, moutarde américaine, un temps pour temps pour venir mettre avant les épices. Ça fait partie du truc. Il va falloir goûter. Voilà. La cuisine chez Aaron Franklin. En fait, vous voyez, quand vous rentrez dans le restaurant, il y a la salle avec le comptoir. Et puis derrière, vous avez accès, par moment, parce que ce n'est pas toujours, mais si Aaron est là, vous avez accès aux offsets. Ouais. Donc, c'est la fameuse, c'est la basilique, quoi. C'est le truc saint, tu vois, tu rentres là-dedans. La sainte chapelle. Ouais, voilà, c'est ça, tu as envie de te mettre à genoux et tout. Et en fait, entre les deux, il y a un couloir avec les cuisines. Mais je vous promets que ce couloir, c'est Fort Knox. Tu ne rentres pas. Ah oui, d'accord, ok. Mais c'est ultra sécure, quoi. Ah ouais, ouais, impossible de voir le truc. En fait, je crois qu'il y a 3 sas avant d'arriver à la cuisine. Ok. C'est dingue, quoi. Ah ouais, impossible. Voilà. Et donc, tu ne peux rien voir, en fait. Et ouais, je pense que forcément, chaque pitmaster a ses secrets et lui, le premier. Mais oui, voilà. Donc, il dit ce qu'il a envie de dire. Vous avez injecté quelque chose dans la dinde? Absolument pas. Que ce soit pour la brisquette ou pour la dinde, je vous ai donné la vraie recette. On fait fumer 2h30, on wrappe avec une demi-plaquette, on laisse monter à 71 degrés. Vous avez remarqué que normalement, je vous parle toujours de 74 degrés pour la volaille. Là, c'est encore un peu en dessous pour éviter qu'elle ne s'assèche. Surtout que, par rapport à la peau, un petit mot là-dessus, hein, c'est une dinde qui n'a pas été saumurée et qui n'avait pas de peau. Oui, aux États-Unis, dans tous les barbecue joints, les filets de dinde comme ici sont servis avec la peau, ce qui lui donne une magnifique couleur et la peau permet non seulement d'apporter du gras, mais en plus de protéger la viande pour couper, du dessèchement. Et du coup, chez nous, malheureusement, le problème, c'est que les filets de dinde, on ne les trouve jamais avec la peau. C'est toujours le filet comme un filet de poulet, en fait, sans peau. Et donc, on arrive difficilement à avoir le même résultat que les Américains. Ça, c'est sympa. Et puis, bon, il y a aussi une chose qu'il faut quand même dire, c'est que les dindes là-bas sont élevées au maïs. Elles sont bien grasses, différentes. Attends, Stéphane, il y avait d'autres ribs où l'os était un petit peu plus apparent. Il faudrait peut-être partir sur celle-ci. Alors, pour les ribs, juste pendant ce temps-là, c'est moi qui les ai fait hier. Alors, vous voyez, c'est très simple. Hein. On est parti sur des spare ribs. Hein, donc, c'est la partie pour vous rappeler. Il y a 2 types de ribs, les baby back ribs, ceux qui sont tout proches de la colonne. Et ensuite, il va y avoir les spare ribs. Donc, les baby back ribs sont plus petites, plus tendres, un petit peu incurvées, beaucoup moins larges. Et les spare ribs avec une partie cartilagineuse qui sont plus plates, plus grandes et un petit peu plus grasses, comme on voit exactement sur la photo ici. Mais tu as retiré le cartilage, je pense. Je sais. Alors, c'est des. Il est enlevé de base. Il est enlevé de base. Okay. C'est pas des vrais coupes Saint-Louis, ça reste des coupes Costco, mais qui sont pas mal. Quand même. Attention. Donc voilà. Et
juste un mot. Alors, est-ce qu'on va pouvoir rajouter ça? Vous voyez ici Stéphane qui est en train de les couper. Donc, ouais, on va vraiment couper ouais, à plat et dans le sens pour dans bien voir l'os. Voilà, comme ça, tu vois vraiment bien l'os. Donc, ça, c'est un bon petit conseil que je peux vous donner. Alors, attendez, vous savez quoi? On va supprimer ici. On va faire comme ça. Boum, on se met en plus grand. Et donc, non, c'est plus simple comme ça? Ouais, plus simple comme ça. D'accord. On voit l'os ici. Là, on le voit bien. Et du okay. coup, on peut suivre l'os. Bon, et sinon, à plat, c'est bien. Et puis, c'est coupé. Alors, elles sont moins charnues. L'idée, c'est de ne pas passer la lame voilà, sur l'os. Voilà. Elles sont moins charnues. Bon, peut-être un peu plus sèches que les autres, mais c'est pas grave. Elles vont faire le job pour aujourd'hui. On voit, ouais, on voit un petit smoke ring sympa. Et donc, on reprend la petite vidéo. Donc voilà, ils sont comme ça. Donc on enlève la membrane. Hein, donc voilà, j'ai bien enlevé la membrane ici. J'ai pas mis de binder. J'ai mis directement le petit mélange de rub que l'on a parlé juste avant. Donc je commence toujours côté os comme ça quand je retourne. Donc voilà, on voit le mélange que je fais. Hein. Voilà, c'est des os à chaque fois. Et ouais, après on va reparler d'un truc. Et voilà. Et donc ensuite je les ai mis au fumoir tout simplement. Alors tu vois, on peut tricher un petit peu. Regarde, je vais faire voir un truc, Steph. Okay. Attends. Alors, j'ai pas les gants, mais vous allez voir. Hop, on fait comme ça. Pour tricher un petit peu, en fait, on va pouvoir couper. Donc, il y a trois os comme ça. Ouais, par exemple, s'il y a trois os comme ça. Hop, on va se mettre là, voilà, et sur un fond noir comme ça. On va couper le ribs, mais en allant proche du ribs de gauche et proche du ribs de droit pour que le ribs central soit plus épais comme ça et que ça fasse genre plus charnu et tout, mais en fait on a piqué la moitié du ribs de droite et la moitié du ribs de gauche, donc en fait il n'est pas plus épais ou rien du tout, c'est juste qu'il est plus, il est coupé différemment. Pour le ribs, c'est Rob Sopasco, bah non, on vient de l'expliquer. Là on le voit bien du coup, voilà. Ah, une blague qui va faire rire quelqu'un. Pas de four pizza alpha à gagner cette fois. La blague est ouais. Ça fait rêver les gars. Merci de nous suivre. Super. Il n'y a pas de pizza chez Aaron. un montage qui ferait rougir les professionnels. Bah, parfait. Écoutez, super. Eh ben, on switch les plateaux et on les met sur le plateau. Comme ça, on met les ribs. Après, il nous restera la brisquette et puis on est pas mal. Hein. Ben, je vous laisse vous débrouiller comme vous avez les gants. Alors, je vais vous faire voir ici les petits rubs. Petits rubs, comme on dit aussi. Hein. Voilà. Vix Vaporub. Voilà. Tiens, on devrait inventer un rub Vix. Ouais. Vix Vapo. Vix Vapo. Un Vix Vapo rub. Ça peut être pas mal comme ça. C'est du poisson. Voilà. Comme ça, donc ça peut être très bien. Oui, juste un mot sur les robes, parce que je vois là, j'avais ramené ça des États-Unis, le Lowry's, celui-là. Et donc dans son... On le voit bien. Oui, on le voit bien, ouais, comme ça. Là, c'est voilà. Bien. Et sinon, ici, voilà. Donc dans son livre, Aaron Franklin disait que lui, en fait, les robes, quand il était petit, bah, il ne connaissait pas plus que ça. Son père faisait griller donc des steaks, de burgers, etc. Il mettait ça et puis ça passait sur tout. Et donc voilà, c'est quelque chose. Tu trouvais qu'il se rapprochait un petit peu, toi? Ah ben, c'est pas qu'il se rapproche un peu, c'est la copie conforme. J'essayais d'être diplomate, Juan. Ah, ouais, non, ah bon, la diplomatie internationale. Tu sais, Aaron Franklin, il fait 7 millions de dollars de chiffre d'affaires chaque année, ouais, avec un seul restaurant. Ouais. Alors, le jour où il m'invitera, tu vois, à participer à son truc, eh bien, écoute, je serai plus diplomate. T'as pas des billes là-dedans, non, quoi pas, non, non. Je croyais que t'étais actionnaire, voilà. Moi, non, faire des lives autour de son truc un dimanche matin. Ouais, j'étais sûr. Mais bon. Non, en fait, le Lorry. Bon, bah, du coup, je vais goûter les deux, moi. Hein, je suis désolé. Il y a un article de Texas Monthly, ouais, magazine. Daniel Vaughn, en fait, c'est le journaliste du barbecue dans le monde. Et il a écrit un article sur le Lowry Seasoning qui est en fait le secret le moins bien gardé du Texas. Et j'ai repris cet article sur mon site, je l'ai traduit, je l'ai repris en citant évidemment Daniel Vaughan. Waouh. Regarde, l'un à côté de l'autre déjà. Ouais. Ah oui, ça. Et la granulométrie est un poil différente. Voilà. Et ouais, le Lowry Seasoning, en fait, c'est un truc que tous les pitmasters texans mettent en dessous de leur sel et poivre, ce qui permet vraiment aux barques d'être très foncées. Ah. Voilà. Alors, par contre, il va falloir que je boive derrière, hein, parce que mon néphrologue va pas être content là. C'est plus
Il y a énormément de sel de céleri dedans. Ouais. Enfin, soit, tout ça pour dire que le rub d'Aaron Franklin est très, très proche du Lowry Seasoning. Donc, en fait, quand il dit qu'il ne met que du sel et poivre, c'est là que je veux en venir. Il oublie de dire. Ça va caraméliser ou pas? Non. Ok, bon, bah, parfait. On switch les plateaux. Les petits. Mais non, en fait, on va enlever ce plateau-là et on va couper la brisquette. Ouais. Super. Elle va être froide, non? Ouais, je vais être un peu. Ah bon, elle va être froide. Pour le bœuf. Je fais la brisquette. Voilà. Tac. Hop. Et on fait ça. Travail d'équipe, hein, barbecue et vous. Juste un petit mot comme ça sur barbecue et vous pendant que Juan ouvre la brisquette. Ça fait combien maintenant? Ça fait deux ans et demi, trois ans et demi? Trois ans et demi, deux barbecue, ans et demi. Deux ans et demi, ouais, c'était quoi? Septembre 2000 c'était non, avant le Covid. Juste avant le Covid, ouais. Donc, non, mais c'était en septembre. Donc, ça doit être septembre 2019, ouais, donc ça fait trois ans et demi. Trois ans et demi, voilà. Oui, on ne sait même plus. Et on est bientôt 100 000 sur la communauté. Donc, toutes les questions, tout ce que l'on parle actuellement, bah, on répond à ces questions comme ça. On essaie d'être le plus diplomate possible, n'est-ce pas, Ron? Ouais, tout à fait. Toujours. Mais voilà, on répond toujours avec bienveillance, on rigole toujours. Ça ne fait pas toujours plaisir à tout le monde parce qu'on essaie de ne pas avoir trop de pubs, de pas avoir trop de doublons, on va dire, aussi, des gens qui vont poster partout, repartager 10 000 fois. Merci, vous m'en voulez. Hop. Et donc, voilà, on essaie de faire tout ça. Et pour ces 100 000 personnes, on est trois, donc Stéphane et Rohan. Donc, merci les gars, vous faites du super travail parce que ce n'est pas toujours évident, des fois, mais c'est quand même pas mal fait. Allez, ce petit point, barbecue et vous, allez liker. Rohan. Ouais. L'heure de la découpe de la brisquette. De la découpe. Alors, il y a un morceau en coin, hein, donc je vais prendre ce morceau-ci pour faire le coin. Voilà, hop. Ici, tu regardes bien. Hein. Voilà. Ah, vous voyez, là, le coin, il est juste à côté de la sauce. Très bien. Je te mets dans le bon sens. Ouais. Donc, allez. Le coin, il vient... Là, il ne faut pas se louper, hein, parce que le rôle d'Aaron Franklin aujourd'hui est assuré par Monsieur Rohan. Chef Rohan. Ensuite, on a... Ouais. Tiens, on met comme ça. Voilà. Qui va manger le plateau? Fatih, Climo, vous êtes tous là? Ne vous inquiétez pas pour le plateau, ça se rend La foule est en délire derrière, en fait. Alors, on a très, très peu de smoke ring parce que j'ai laissé tout le gras d'accord. Sur la viande. Oui, parce que parle-nous un peu de comment tu l'as fait, du coup, Juan, s'il te plaît. Ah ben je l'ai fait en hot and fast. D'accord. En très haute et très fast. Ok, donc 250 degrés pendant 20 minutes. Non, je l'ai fait à 150 degrés. Donc en hot and fast, 150 degrés, 5 heures. D'accord. Mais comme le brisket en soi est minuscule, un brisket normalement c'est 10, 11 kilos. Celui-là on faisait 3. Tu vois, c'est ouais. Que le flat. Parce qu'il n'y a que le flat, que la partie du bas. Du coup, ça cuit très très vite et ça prend beaucoup moins la fumée. Mais je suis quand même content du bar que. Alors c'est pas comme à l'offset. Je l'ai fait au Kamado. C'est pas aussi bien qu'à l'offset. Alors je sais pas, tu peux montrer le rib à l'écran s'il te plaît, Rafa. Alors je vais te partager mon rib avec Iban si tu veux. Mais je pense que tu voulais parler du rub. Donc si tu veux parler du rub, c'est celui-là, je peux le montrer. Voilà. Il est ici. Et l'autre. Voilà. Vraiment les Franklin. Pas encore bientôt. Ah d'accord, bientôt. On va parler un peu des rubs après. Tu te fais beau, tu te maquilles. Fatih finit le maquillage et ensuite il vient nous parler un petit peu ici. Jamais mangé de brisquette, il y aura une dégustation sur le salon. Chez Melt sera là. Excellent. Et justement, vous pouvez aller déguster, pas discuter. Mais discuter avec Jean et Paul, sinon. Jean et Paul, et justement, ils vous expliqueront un peu voilà, comment ils le font, les volumes qui passent. Ce qui est important de regarder, c'est ce qu'on vous dit vraiment, c'est ce gras intramusculaire qui est super important. Et très souvent, en fait, on nous demande, je vais faire une brisquette, comment je fais? Parce que je veux la faire demain midi, comme là, maintenant, aujourd'hui. En fait, on l'a fait toute la nuit. Alors, pour faire ça, par contre, il vaut mieux la faire traîner. Ça ne se réchauffe pas très, très bien. C'est vraiment, je sors du fumoir, je le déguste. C'est vraiment moins bon sinon, effectivement. Ouais. Et ça sèche vite. Alors là, on va le voir, en fait, en quelques minutes. La viande qui est très juteuse ici, qui est, si vous regardez la viande, elle se défait toute seule. Elle est vraiment nickel maintenant.
Si vous la laissez à l'air pendant 5 minutes, elle devient grise, exactement. Et sèche, et simplement parce que voilà, toute l'eau qui reste dans la viande s'évapore très, très rapidement à l'air. C'est d'ailleurs pour ça qu'en compétition, etc., ils mettent toujours de la, du jus de cuisson. Ouais, exactement. Et que ça n'est pas très blanc comme sur la photo de... Ah non, c'est une photo. Voilà, c'est une photo. Vraiment, à la contrario voilà, du pulled pork, en fait, tout le grain intramusculaire, bah, il a fondu, il est parti. Et en fait, il ne nous reste vraiment que de l'humidité. C'est ce qui fait effectivement qu'elle est très juteuse. Exactement. Donc, on découpe, on serre. Voilà. On va changer, on va switcher les deux là pour que les gens puissent voir. Oh là, j'ai faim là, ça sent hyper bon en plus. Ça c'est, hyper bon, c'est incroyable. Alors regardez, on est pas mal là quand même. Hein. Regardez-moi ça ici. Donc, alors on l'a mis à l'envers. Ah non, on l'a mis dans le bon sens. Oui, excusez-moi, j'ai l'envers et l'endroit et ici. Voilà. Donc, on est parti de ça, vous voyez, avec le coleslaw, la brisket. Je vous rappelle, la sauce barbecue, le pain, les Texas Hotling, les ribs, la potato salad. On va rajouter du poivre sur la potato salad peut-être de celui-ci là. Ouais. Hein, ça pourrait être pas mal. La sauce expresso, les pickles, on vous a tout expliqué sur ça. Et voilà à quoi ça ressemble. Hey, franchement, c'est… Ah yes, la petite touche. On va prendre en photo. On va prendre en photo, on va mettre et vous allez pouvoir donner une note à notre plateau. Mais franchement, je suis hyper fier, quoi. Comment il est super beau. C'est pas mal, c'est pas mal. Attendez, on va vous faire voyager. Alors, on va le faire voyager différemment, comme ça. Je peux passer, monsieur Fati. Hop. Alors, regardez, on va sortir ça. Et regardez-moi ce plateau. Donc là, on voit bien ici les petits jalapeños. On se rapproche avec les ribs. Les Texas Hotlings, on va avoir la potato salad qui est vraiment, tu as trouvé le nom, Rohan, une salade, une purée froide. Voilà, regardez-moi ces super couleurs ici. Le pain, la petite sauce barbecue ici. On va avoir l'autre sauce barbecue expresso, la dinde. Regardez-moi ça, comment elle est bien luisante. Super. Donc là, la Hotlings qu'on a coupée, la brisket. Le coleslaw, et voilà, on part de ça pour arriver à ça. Excellent, excellent, excellent. Très bien, hop, on met ça. Voilà, et là, on y est franchement. Là, on voit bien. On y est. Super. Un petit coup de Photoshop et on a la même chose. Voilà. Un fond… Un petit fond ouais. Bois vieilli et on est bon. Le fond bois. Le fond bois. Il n'est pas là. Bon, bah, c'est pas là. Ah, on va voir ça après. On va faire une photo et on va montrer tout ça. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci, Rohan. Merci, Fati, pour ton accueil. Oui, alors, Fati, non, mais attends, on va faire la hola et tout ça quand même, juste après. Non, merci, Rohan, d'être venu. Les gens disent, ah, mais vous, comment ils disent, nos haters, un petit mot pour nos haters quand même. Ouais, vous, il n'y a pas de passion, vous faites ça pour le fric. Non, pour être dans l'aube, un dimanche matin, avec moins 5 degrés, on vient ici. Toi, tu t'es déplacé de Belgique, de Lorraine. Non, c'est vraiment parce qu'il y a une belle passion. Donc voilà, un petit coucou, no haters. Super. Voilà. Merci, merci, Rohan. On les embrasse. Super. Donc, Stéphane Barbecue sur Instagram et Chef Rohan également sur Instagram, Facebook, le site, administrateur et tout ça. Et, oh, attends, on fait la hola comme on fait comme ça. Wouh ! Viens ici, Fatih. Allez, Fatih, viens. Prends le petit micro. Hop, on va lui donner le petit micro. Tac. Voilà, directement. Voilà. Super. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue, Chef Argo. Ah, c'est beau, c'est beau. Alors, quand je vous parlais des haters, ils sont jamais très loin. Ils sont jamais très loin, ils sont toujours à côté. Félicitations. Merci. Et franchement, tu mets quelle note, toi? Franchement, j'y croyais pas. Non. Autant j'y croyais pas. Bah, attends, mais rajoute du Ajax derrière, on va lui faire bouffer. Comment ça? En tout cas, j'ai vraiment hâte. Non, hein? À l'identique, t'as même ramené le plateau. On a ramené le plateau des États-Unis, il y a le papier bouché. En fait. Et c'est le vrai, c'est le vrai. Il y a le papier bouché, il y a. Donc, on a pu faire comme on voilà, avec les petits pots pour la sauce barbecue et tout. En fait, qui va en dessous. Du barbecue de Aaron Franklin de Piquet Grill que j'ai. Qui est là. Et que Rafa va m'offrir le plateau parce que je n'ai pas le plateau. Et moi, j'ai le plateau, mais je n'ai pas le barbecue. Alors, voilà. Qui va m'offrir le barbecue qui va avec le plateau? Bon, en tout cas, merci beaucoup de vous être passé, d'être venu ici. C'est un plaisir de vous accueillir tout le temps. Et j'ai hâte de goûter tout ça. Ben oui, ça va vraiment être sympa. Un peu d'érable, tu disais.
Ouais, les rubs, en fait, les rubs, on a, je vais pas dire le plus gros choix en France, mais je pense. Clairement, si. Ouais, après Carrefour. De produits spécialisés, en fait, pour le barbecue, tout ce qui est condiments, etc. Ouais. Donc, c'est sur le site fargo.boutique. Il y a énormément de choix de sauces. Vous parlez de moutarde tout à l'heure. Fargo, comme ça. Fargo.boutique. Les rubs les plus professionnels qu'on puisse trouver, en tout cas. Le choix des marques que tu as fait est juste génial. Et ouais, franchement, au niveau choix aujourd'hui en rub, ouais, c'est démentiel. Quoi. Ouais. Et peut-être un mot comme ça. Moi, souvent, j'ai des gens qui viennent me voir qui me disent Rafa, c'est super, il y a justement un choix démentiel. Par quoi commencer, ouais, ton rub préféré? C'est-à-dire, on va sur ta boutique, donc Fargo comme ça, point boutique. On commence par quoi? Tout simplement, quelque chose que tu aimes bien. Il y a plein de gens qui sont experts dans le domaine comparé à moi. Non, mais moi, toi, ton choix. Pour un débutant, vraiment débutant, c'est vraiment tout ce qui est classique, en fait. Super basique pour vraiment commencer au début du truc. Ouais. Donc, tout ce qui est SPG, par exemple. Ah, d'accord. Tout ce qui est vraiment classique. SPG, sol, paper and garlic, donc sel, poivre et poudre d'ail. Bah, au niveau des marques, il y a quand même les très grandes marques qui sont les plus connues. Et moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faut plutôt commencer. C'est il y a Blues Hog qui est super connu en compétition. Il y a Cosmo. Alors, en un peu moins cher, il y a un choix énorme de Kinders, ouais, qui sont beaucoup plus abordables, je dirais. Mais en prenant les grandes marques que tous les grands du barbecue américain utilisent, ben, on est sûr de ne pas se tromper, parce, ouais, qu'ils les utilisent tous, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Donc, moi, c'est un peu l'idée, c'est de, quand les gens me demandent sur le groupe, tiens, tu prendrais quoi? Ben, directement Meat Church, Cosmo Q, Blues Hog, etc. quoi. Alors, moi, voilà. Je ne sais pas si c'est ma passion pour les voyages, mais j'ai beaucoup aimé, c'est mon rub du moment, c'est le rub Shawarma de chez Angus & Oink, je crois. C'est quelque chose, je ne sais pas si c'est parce qu'il fait moche ou quoi actuellement, mais il fait vraiment, vraiment voyager. Il a des super saveurs. Je l'ai goûté avec de l'agneau, avec de la volaille, ça marche super bien. J'ai refait les petites brochettes sur une soirée vendredi soir et c'est celui qui a encore bien fonctionné. Un mot, Seth ? Ouais, un petit mot, en fait, c'est surtout sur les épices, parce qu'on a toujours tendance à se dire, je veux de l'épicé, du très fort. Voilà, quand on débute, commencer sur des choses plutôt génériques, comme le disait Fatih, ça permet, voilà. De base, c'est très épicé. Voilà, ouais, de base, c'est déjà très épicé, un peu pimenté. Ça permet, voilà, de savoir un petit peu où on se situe en termes de tolérance, justement, sur le côté hot. Et après, derrière, on peut aller s'amuser à faire plein de choses, quoi. Et doser doucement au début, goûter avec des viandes faciles, du poulet, des choses comme ça, ça vous permet, voilà, de vous rendre compte vraiment. Mais. Comme disait Raph, hein, moi je trouve que c'est un voyage. Ouais. Et après, quand tu veux t'éclater, tu as Ankerkraut, ouais, que Fatih a ici. Il y a un choix de malade. Et Ankerkraut, c'est l'éclate. Quoi. Ouais. Mais là, on ne part pas sur du rub classique. On part sur des épices pour le dessert, pour le poisson. Des fleurs. Il y a des fleurs séchées. Il y a un choix qu'on trouvera nulle part ailleurs. Vraiment. Et Ankerkraut, on l'a goûté justement hier sur de la pizza. Exceptionnel. Ouais. Ouais. Et sur les sauces, du coup? Pareil, on part sur un truc de base, Sweet Baby Ray's ou qu'est-ce que… Non, la Sweet Baby Ray's, c'est le grand classique. Ouais, c'est le… Ah bah, quitte à faire dans les classiques, alors. Le grand classique pour démarrer. Après, ce n'est pas non plus la meilleure des sauces barbecue qui soit, mais même, c'est la plus utilisée dans le monde, en fait. Très voilà. Sirupeux, quoi. Elle est très épaisse. Ah oui. Ouais. Et moi, j'ai l'impression que c'est quand même la sauce qu'on retrouve à la base de toutes les autres, en fait, beaucoup derrière. Ouais, c'est pas faux. Ça aussi, c'est un bon secret gardé, je pense. Ah oui, d'accord, ils prennent ça et puis ils l'agrémentent. Tu as des fumées, tu as des épicettes, ouais, tu as vraiment énormément de goûts différents. Et après, tu la pimpes un peu comme tu veux. Toujours la même base, je trouve. Et puis, elle est très abordable aussi. Oui, financièrement, elle est moins chère qu'une sauce de compétition de chez Blues Hog. Ok. Bon ben voilà, j'espère que vous avez apprécié ce live donc consacré à on refait la couverture du livre d'Aaron Franklin, Meat Smoking Manifesto, qui est juste ici. N'hésitez pas si vous avez des questions et si vous avez beaucoup apprécié ce live, dites-le nous également. On essaiera d'en refaire peut-être d'autres. Pourquoi pas un live au Texas? En Crète, en Crète. Ou n'importe où. Allez. Texas en Crète. Allez, ciao. Salut tout le monde. Bon dimanche et bon appétit. Nous, on a super faim. Ça sent hyper bon. Ciao, salut tout le monde. Salut.